Bonjour les amis, merci et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous par rapport à la gestion de vos partitions. Parce que la gestion de vos données, en fait, c'est très important. Si votre machine a une seule partition, c'est très dangereux parce que s'il arrivait que vous avez des virus ou s'il arrivait que la machine tombe en panne, vous serez obligé de réinstaller et là, vos données sont en danger. Alors, à quelques clics, nous allons le faire ensemble avec vous. En passant tout simplement par le menu démarrer et puis gestionnaire des disques, voilà que nous avons cette interface où tous nos trois partitions apparaissent. J'ai deux disques sur ma machine et il y a celui de 1 Tera qui est là où nous allons essayer de diminuer la capacité. Je vais diminuer par exemple de 150 Go. Ouais. Je crée cette partition. Je vais réduire en fait une partition existante. Alors, cette méthode, vous pouvez l'appliquer si votre machine a une partition unique et puis essayer de déplacer les données vers cette partition, cette nouvelle partition que vous allez créer. Vous voyez par exemple là sur ma machine, j'avais trois partitions et là, après avoir ajouté une nouvelle partition, j'ai diminué mon disque et là il reste 700 gigas. Et il y a une partition qui je n'ai pas encore affichée. J'affiche celui-là, je lui donne un numéro, je lui donne un nom, je laisse un nom par défaut pour nous afficher disque local. Et là, ça prend une adresse pour être maintenant affiché sur le gestionnaire des disques. Et carrément, comme ma machine avait 3, je vais avoir 4 partitions. J'ai maintenant 4 partitions. Et là, je peux facilement gérer mes données. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager avec un ami. Voilà, j'ai les 4 partitions comme vous lis. Alors, quant à moi, je n'ai pas besoin de cette partition. Je vais la supprimer. Je l'ai fait exactement pour essayer de vous montrer comment vous devez procéder si vous avez une partition unique ou bien si vous avez envie d'ajouter une partition sans pouvoir installer ou bien réinstaller un nouveau système. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que tu t'es déjà abonné, tu as aimé la vidéo. Ça ne prend que 2 secondes à me laisser un gros pouce j'aime. Ciao.